Moi, c'est Cécilia Souza, je suis professeure de français et aujourd'hui, c'est notre deuxième live de 30, ok? Hoje é a nossa segunda live de 30, no total serão 30 lives durante um mês, uma live por dia, não serão todas às 21 horas, mas você pode ficar sabendo, basta se inscrever no nosso canal aqui agora, não se esquece de clicar no sininho, ok? Na cloche, porque aí você vai receber as notificações. Porque não dá pra ser cada dia, assim, no mesmo horário, porque eu tenho horário de aula, mas a gente fica avisando, quem tiver inscrito no canal vai ficar sabendo, então você vai poder ver aqui live com a gente, poder comentar, e isso daí é uma parte interessante, que é a parte mais legal, é você poder interagir aqui comigo. E a ideia é praticar o francês através de filmes. Nada mais divertido que ver um filme, né? Pelo menos é o meu lazer preferido. Não sei se vocês gostam, espero que gostem. Pra quem gosta, pra quem não gosta, tem outras opções. Pra quem gosta, tem aí o My French Film Festival, que começou ontem, tá na 8ª edição e tem 30 filmes inéditos. Tem curtas, longas, alguns são bem curtinhos mesmo, de 9 minutos, como que a gente vai ver hoje. A maioria em francês, nem todos, tá, gente? Tem mudo, tem iraniano. Pra quem tava aqui ontem, viu que a gente falou sobre o filme iraniano, mas sempre dá pra estudar alguma coisa. E é isso que a gente vai tentar explorar aqui nessa série de 30 lives sobre cada um desses filmes aí. Cada um a gente vai abordar de uma maneira diferente, porque nem todos dá pra serem trabalhados da mesma maneira, né? Alguns a gente vai trabalhar diálogos, outros a gente vai ver a descrição, outros a gente vai trabalhar mais a parte cultural. E o de hoje vai ser focado mais para iniciantes, tá ok? Mas sem abusar da tradução, que é um recurso que eu, a grande maioria dos professores e didáticos, diz que deve ser realmente evitado, tá bom? Então, fica aqui com a gente, não fica com medo. Tem gente que reclama, mas Cecília, eu não vou entender, eu sou iniciante, eu não tenho vocabulário. Será que você não vai entender nada mesmo? Será que você precisa entender tudo? Fica também essa questão, tá? Então, fica aqui com a gente pra ver como é que vai ser isso. E le film que nous allons étudier dans cette vidéo, c'est La Caresse. La Caresse, c'est le titre du film. Le film s'appelle La Caresse. Voici l'affiche, vous pouvez voir à côté de moi, voilà, de ce côté-là, à côté de moi, l'affiche, ça c'est l'affiche du film, et le film s'appelle La Caresse. Qu'est-ce que ça veut dire, caresse? Qu'est-ce que c'est la caresse? Alors, ça, vous voyez les images là, tout ça, ce sont des caresses. Observez aussi cette définition qui nous pouvons trouver chez Larousse, dans le dictionnaire Larousse. Attouchement, attouchement, tendre, affectueux ou sensuel. Frôlement, frôlement, doux et agréable. Donc ça, c'est une caresse. Ça, ça, c'est une caresse. D'accord? C'est une caresse. Observez les images et vous pouvez comprendre. Caresse. La caresse, c'est le titre du film. Voici l'affiche technique et le synopsis. Je vais lire le synopsis, d'accord? Vous pouvez voir ici La Caresse, 2017. Donc 2017, c'est l'année du film. 9 minutes 31 secondes. Seconde, Cécilia, você tá pronunciando com a letra G, com som de G, mas se escreve com C. É, c'est la vie. Esse daí realmente é uma das palavras que mais causam, perturbam os franceses também, tá, gente? Os nativos também, eles ficam meio injuriados com esse C aí, que se pronuncia G. Donc, seconde, 9 minutes 31 secondes. C'est un film assez court, c'est un court-métrage. Et il n'y a pas de dialogue. Mais um filme, gente, sem muitos diálogos em francês. Na verdade, isso daí, zero diálogo, tá? Não, nada é falado no filme, então você pode entender o filme inteirinho, um filme mudo. Mas o que, que a gente vai fazer então aqui pra estudar com ele? O que, que a gente pode aprender com esse filme? Graças a esse vídeo aqui, a essa aula, você pode estudar francês. E a gente vai começar lendo le synopsis. Lisons le synopsis du film. Un jeune homme est pris au piège dans son monde
agoraphobique. Un jeune homme. Un homme. La photo. Observez la photo. Un homme. C'est un homme. Homme. Bernardo, mon mari. Brad Pitt, Gérard Depardieu, mon papa, Barack Obama. Homme, c'est le contraire de femme. Moi, je suis une femme. Bernardo, c'est un homme. Le personnage principal, c'est pas une femme comme moi, comme Angelina Jolie, comme Catherine Deneuve, comme ma maman, d'accord? Le personnage principal, c'est un homme comme mon papa, comme Bernardo, comme Barack Obama, d'accord? Un homme. Observez comment ça s'écrit. Homme. Un jeune homme. Jeune. Jeune. C'est comme Justin Bieber, Emma Watson, je sais jamais prononcer son nom. Mais Jon Snow. Voilà. Jon Snow est jeune. C'est le contraire de vieux, comme Richard Gere, Stallone, Bruce Willis. Ils sont vieux. D'accord, ils sont âgés, ils sont âgés. Jeune, c'est le contraire de vieux, d'accord? Ça va, donc vieux, Dumbledore est vieux, très vieux. Mais Harry Potter est jeune. Vous comprenez là, jeune, vieux. Donc, un jeune homme est pris au piège, dans son monde agoraphobique. Qu'est-ce que ça veut dire, agoraphobique? Agoraphobique, sinceramente, eu não sabia o que queria dizer. Mas Google me donne cette définition. Alors, c'est une phobie, donc la peur. Peur, c'est synonyme de phobie, d'accord? Donc, c'est la peur des grands espaces, comme les lieux publics, comme les parcs, d'accord? Donc, il y a beaucoup de gens, c'est un grand espace avec beaucoup de personnes. Donc, si la personne a peur de ça, elle est agoraphobe. L'agoraphobe, agoraphobique. Alors, il s'agit d'une crainte pathologique. Donc, c'est une pathologie, d'accord? C'est une maladie, vraiment. Donc, le personnage, selon le synopsis, il est touché par l'agoraphobie, mais je pense, j'ajouterais, qu'il a aussi un TOC, c'est trouble obsessionnel compulsif. Je pense qu'il a un TOC parce qu'il a aussi la peur de la saleté. La saleté. Donc, il se lave les mains tout le temps, il nettoie tout. Donc, il a un TOC, certainement. D'accord? Continuons donc. Un jeune homme. Merci beaucoup. J'ai même droit au popcorn. Popcorn, c'est vite. C'est bon. Alors, continuons. Un jeune homme est pris au piège. Pris au piège, ça veut dire qu'il est emprisonné. D'accord, il est en prison. Mais piège, ça vient de... J'ai noté ici... C'est un objet, c'est un engin, qui sert à attirer, à capturer, à prendre les animaux. Donc, imaginez que je veux capturer un chat. Il est un peu moche. Je veux capturer un chat. Donc, je vais construire quelque chose. Je vais faire comme ça. Je vais mettre quelque chose là, peut-être du fromage ou une souris. Une souris aussi, un petit animal. Comme ça. Ça, c'est une souris. Salut, la souris. Le chat, la souris. Donc, pour attirer l'attention du chat et le prendre, l'attraper dans mon piège. Ça, c'était un piège. Ah, un piège. Voilà, d'accord? Donc, il est pris au piège dans son monde agoraphobique. Il est parfaitement heureux. Heureux. Très heureux. C'est le contraire de triste. Heureux, c'est le contraire de triste. Il est parfaitement, complètement heureux dans son monde stérile. Jusqu'à ce qu'un visiteur inattendu vienne le déranger. Alors, attention, déranger. Tem um errinho aí.
errar é humano, né, gente? Então, lá, aí no site do My French Film Festival, podem colocar um acento agudo aí no déranger, não é déranger, é déranger, d'accord? Déranger. Donc, il est parfaitement heureux, mais pas éternellement. Il y a un moment final, d'accord? Donc, jusqu'à ce, ça va parler justement d'un moment final, d'accord? Donc, jusqu'à ce que un visiteur inattendu, donc c'est imprévu, un visiteur imprévu entre chez lui, il va le déranger. Déranger, c'est perturber, importuner, déranger. Tout est parfait, mais il y a un bruit parfois qui dérange, il y a une personne qui dérange, il y a, imaginez, je suis ici, en live, encore en live, et mon téléphone sonne, c'est quoi ce téléphone, c'est vieux ça, hein? Mais bon, il sonne, je sais pas, mince, ça me dérange, ça va déranger les cours, donc mon portable est aussi silencieux, il ne va pas sonner, il ne va pas déranger, perturber, importuner le cours, ni moi, on est tranquille, d'accord? Pas de dérangement. Alors, continuons. Maintenant, nous allons parler un peu sur les actions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le film, observez là les images. J'espère que c'est assez visible. Au tout début, donc, agora, gente, a gente vai ver um vocabulário de ações. Eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu não estou vendo os comentários, tá? Mas depois eu vou dar uma olhada. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem que eu vou responder depois, tá? Pelo chat. Fiquem aí de olho, por favor. E desculpa, eu me perdi aqui. Eu prefiro não ir procurar agora. Bref, agora a gente vai ver ações cotidianas no presente, tá ok? Não se preocupem em como se escreve. Se preocupem em como se pronuncia e tentem repetir aí, ok? Então, olha lá. Primeira imagem. Il se réveille. Oh, il se réveille. Il se réveille. D'accord? Moi, je me réveille. Il se réveille. Il se réveille. Observez sa maison. Sa maison est blanche, propre, jolie, géométriquement très équilibrée. D'accord? Donc, il se réveille avec son pyjama à rayures. À rayures. Voilà. Son pyjama en rayures. Il porte un pyjama en rayures. Quand je vais parler que la personne está usando une certaine roupa, je vais dire il porte. D'accord? Moi, je porte un t-shirt bleu. Il porte un pyjama en rayures. À rayures, pardon. Il porte un pyjama à rayures. Donc, il se réveille. Répétez. Il se réveille. Il descend. Il descend, c'est le contraire de monter. Il monte. Il descend. Répétez. Il descend. Il descend. Il met ses pantoufles. Il met ses pantoufles. Il met. Donc, avant, pas de pantoufles. Avant, pas de pantoufles. Après, oui, il met ses pantoufles. D'accord? Il met ses pantoufles. Ensuite, observez les mots. Hein? Après, ensuite, ce sont des synonymes. Donc, après, il se lave les mains. Il se lave les mains. Répétez, il se lave les mains. Ok. Après, donc, il se lave longuement les mains, d'accord, avec beaucoup de soin. Il est très méticuleux, très méticuleux. Et après, il essuie ses mains. Il met des gants, gants, gants. C'est cette chose-là. Voilà, des gants. Très utile pour les élèves qui sont au Québec parce que en hiver, pour se protéger du froid, donc on met des gants. On peut porter des gants. Là, il met des gants
après, ah, il porte des gants, d'accord? Il se prépare à manger, il se prépare à manger, toujours très organisé, toujours très symétrique. Ensuite, il mange, il prend une douche, il se réveille, il descend, il met ses pantoufles, il se lave les mains, il se prépare à manger, il mange, il prend une douche. Répétez, il prend une douche. Voilà, il prend son petit déjeuner. Attention, petit déjeuner, c'est le premier repas de la journée. É a primeira refeição do dia, ok? Observe, uma das técnicas para evitar a tradução, eu digo pelo menos o equivalente ou explico o que é ou em que momento você usa. Mas não vou falar qual é, o que quer dizer exatamente essa palavra. Todo mundo sabe qual é a primeira refeição do dia, ok? A gente tem que pensar qual é a primeira refeição do dia. Em francês, na França vai ser le petit déjeuner. No Québec, na Suíça, vai ser déjeuner, somente déjeuner. Donc, il prend son déjeuner, il prend le petit déjeuner. Il prend sa douche, ou il prend une douche. Les deux manières sont correctes, donc il prend une douche. Avec ce truc, observez. Gente, tô na penúltima imagem, prestem lá atenção. Ele tem um truc entre ses orteils. Les doigts, ça ce sont les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Mes doigts, les doigts de la main. J'ai deux mains et les doigts. Les doigts du pied. Observez là, le pied, main, pied. Gente, não vou mostrar mes pieds aqui para vocês. Tem aí na foto, a penúltima. Les pieds, donc o équivalente disso aqui, des pieds, s'appelle orteils. Orteil, d'accord? Orteil. Donc, il a un truc. Un truc. Gente, truc é uma palavra muito útil. Quando você não sabe o nome do que quer que seja. Ou porque você não conhece o objeto. Ou porque esqueceu a palavra em francês. Você chama isso de truc. Truc. É tipo coisa, troço, treco, negócio. Truc. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je sais pas. Mais, il a un truc entre ses orteils. D'accord? Donc, il se réveille, il descend, il met ses pantoufles, il se lave les mains, il mange, il prend le déjeuner, il prend le petit déjeuner, il prend une douche et après, il se brosse les dents. C'est il se brosse les dents. Après, à trilha sonora. Il se brosse les dents, il se coiffe les cheveux, d'accord? Il se coiffe très précisément, très méticuleusement, il faut que ça soit très bien. C'est pas comme moi, hein? C'est pas comme moi. Définitivement, je n'ai pas le même problème que lui, au contraire. Donc, à la fin, il est impeccable, il sort très satisfait de sa salle de bain, d'accord? Il sort avec un petit sourire. On voit bien la satisfaction de la propreté, de bien commencer la journée. Et tout d'un coup, il y a un visiteur qui vient le déranger. Et là, les amis, c'est à vous d'aller voir le film, ok? Quem já viu o filme, coloca aí nos comentários. Eu vi, eu vou ver depois os comentários. Donc, notez, j'ai vu... E quem não viu ainda, escrevam j'ai pas vu. Gente, não se preocupem, pode escrever errado, tá? Não tem problema. J'ai vu, j'ai pas vu. E no final digo também o que vocês acharam. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Pra gente dar a nossa opinião, o que vocês acharam desse filme. J'adore. C'est excellent, c'est super, trop fort. C'est vachement bien, se vocês quiserem ser um pouco mais descolados aí, um pouco mais informais. C'est bien, ça me plaît, c'est pas mal. Alors... Ce film-là, je l'ai trouvé très intéressant, en fait. C'est 9 minutes, pas de paroles, pas de dialogue, mais la bande-son, elle passe bien l'émotion. L'acteur aussi, il joue très bien, il joue très bien. L'acteur joue très bien, donc c'est un bon acteur, d'accord ?
Après aussi, la situation de ce personnage, c'est intriguant et on comprend très bien tout ce qu'il ressent. C'est très intéressant. Et après, il y a cette bataille à la fin pour résoudre le problème de ce qui le dérange. E o final é bem surpreendente. Eu vi alguns comentários de gente que achou esse filme realmente lindo, très joli, très touchant. Il est touchant, tocante, porque ele fala justamente do poder de uma certa coisa na cura desse tipo de doença. Então, gente, quem ainda não viu esse filme, je recommande, je recommande. Je recommande le film. Je recommande aussi cette vidéo pour pratiquer, regarder le film en imaginant, en formulant des phrases en français sur les actions. Essayez de décrire, ok? A aula hoje aqui não foi exaustiva, tem ainda muita coisa. Daria para trabalhar bastante vocabulário desse filme, né? Daria também para ver bastante vocabulário da casa. Dê uma olhada lá, vejam o que interessa vocês. Vejam o que interessa vocês. E se tiverem alguma dúvida, gente, principalmente da parte que eu falei mais francês, se tiverem alguma dúvida com relação ao vocabulário e tudo mais, é só escrever aí, deixa um comentário. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa com ele, se você gostou, quiser ajudar a gente, quiser realmente dar aquela forcinha, então compartilha aí com seu amigo. Não deixa de se inscrever se quiser ver outros vídeos. E on se voit demain avec du popcorn pour un nouveau film. À bientôt, les amis. Salut!